Alors, il y a un peu de monde qui fait un peu de blague à la casa. Il dit, ah, mal en chambre, non, mal en chambre, non. Est-ce que c'est dans la toilette, là, dans la cuisine, non, mais dans la salle à manger, hein? Et moi, je pense, malheureusement, qu'un peu de fois, il m'a fait des discussions, mais il m'a fait des approches avec des gens qui n'est pas ici aux États-Unis, que grand pile monde en Haïti qui est plus éduqué dans sa chambre de commerce qu'a fait. Alors, chambre de commerce, c'est un réseau encore de plusieurs businessmen, entrepreneurs ou bien d'autres business qui voulaient pour mettre ensemble non seulement pour assurer que l'intérêt des gens qui sont dans le business, adhérents, établi, mais tout pour capable aider avec économique et dit, mobilité économique et sociale. Mobilité économique et sociale, c'est que si moi je suis en dry cleaning, je suis capable de faire ça. Je dis que si moi je suis en dry cleaning, je suis capable de faire ça pour me avec ça. Si petit moi je suis en dry cleaning, je suis même pour me faire un peu de clients. Si petit moi pour vendre la cleaning, peut-être que vision pali, c'est pour lui faire de la cleaning, pour l'assurer que les gens qui ont de gros banquet hall, que c'est avec elle. Ça veut dire qu'il va chercher plus gros contrat. Ça veut dire vision obligé de changer, obligé de grandir. So, tout le monde qui a un business ou qui a fait bagage personnellement, que tu as remis une plateforme non seulement pour grandir en termes de visibilité, nous avons un très bon creative team. Ça veut dire que nous avons des gens qui ont avec blog, qui ont avec website, qui ont assuré que nous avons une présence online, qui permettent que chaque semaine, si nous avons besoin d'un nouveau flyer pour travailler avec nous. Et les gens qui travaillent avec nous, payent, ça veut dire que nous travaillons, nous performons. Ce n'est pas s'il vous plaît. Donc, l'important que nous gagnons, nous sommes connectés. Mais ce qui est plus important en Bali, le dénominateur commun, c'est assurer que nous avons fait l'argent. Si moun n'a pas fait l'argent ou bien il a fait plus l'argent que le défi année passé, hein, il va bon. Et pour cela, il y a une série de qualités que je pense que un monde qui voulait adhérer à une chambre de commerce, ça suppose gagner. Moi, je dis que au niveau de chambre de commerce, moi, je dis que groupe noir, groupe directeur noir, superbement béni pour ça parce que les gens qui adhèrent à la chambre de commerce là, et en plus, il y a des gens qui est le plus bon client. So, qui est le plus bon client pour la chambre de commerce? Ce sont des gens qui sont dynamiques, ce sont des gens qui sont consistants, ce sont des gens qui ont une discipline et surtout ce sont des gens qui ont une vision. En plus, il faut rencontrer des gens qui disent ah, mon petit business là, il m'a fait Christmas. Mais il y a un petit business depuis 20 ans. Il ne va jamais faire plus que 200 dollars par mois. Il n'a pas une vision. Ça c'est pour sûr parce qu'elle va faire plus l'argent. Il n'est pas dynamique parce que et dynamique là vient avec une autre qualité qui c'est collaboration. Parce que je suis dynamique pour me foncer de bagaille, mais en plus mon Dieu j'oublie que ou pas capable de faire tout le bagaille. Si qu'on y a moins dit que moins grande boîte, c'est moi-même qui fais marketing là, c'est moi-même qui fais comptabilité là, c'est moi-même qui fais manger, c'est moi-même qui nettoie là. Après ils vont le m'tanner. Ce dynamisme là vient avec le fait que ou connaît que ou gagne des limitations et que gagne monde qui là pour bon support. Moi toujours font blague que Covid c'est une meilleure bagaille qui rivé en pile businessman yo pour qui ça parce que c'est pas ton bagaille que tu es obligé de contrôler mais qui pousse vers la technologie. Si vous dites que vous sont monde qui fait website, en pile monde dit ah, pas besoin website, pas besoin de présence online parce qu'il a toujours pensé que le déca machine dans la rue à vendre mon bagaille. On y a pas grand monde qui a pensé à fond business sans que li pa wè le fait que li important que li gagne en présence sous quel que soit médium là que ce soit dans YouTube ce sont bon bagage li vinyè surtout pour chambre de commerce côté que y en a bagage que nous vraiment vle mettre en évidence c'est artisio y a chambre de commerce y a des grand chambre de commerce qui relé et la chambre de commerce des médecins pour des médecins seulement. Qui t'a pour mon chambre de commerce? C'est une idée que je pousse là. Côté que différents domaines, les médecins ont rencontré et puis ils ont décidé que, mais qui j'ai fait business, mais qui service j'ai utilisé, mais qui j'ai fait comptabilité. Mais chambre de commerce, nous, ça nous essaie de faire, c'est assurer nous que nous avons une partie artistique, une partie créative. Et c'est ça que fait un monde dit que Jonathan fait belle fête. Et ce n'est pas l'idée de faire la fête, c'est l'idée de si. Moi, j'aime jazz, ou j'aime jazz, lui j'aime jazz. Nous avons rencontré dans différents domaines, mais les nous rencontrer, nous avons des choses qui fait que nous sommes capables de connecter, qui fait que nous sommes capables de respecter l'un l'autre. So, nous vivons dans la même sphère, dans le même circuit, hein? Et puis ça permet que nous comprenions l'autre, ça permet que nous ayons plus de dialogue, ça permet tout que nous ayons discipline, parce que une série
de musique ou de danse ou bien de domaine dans l'art qui pas demander trop de discipline. Mais nous-mêmes, nous assurons nous, que nous honorons et nous mettons en exergue des artistes qui ont fait un choix qui était difficile. Au monde original Polycarp, dans le domaine qu'il était, il a dû faire des sacrifices. C'est la même chose avec le monde qui n'en croit pas. Au monde de Koubelo. Les gens sont entrés dans un domaine qui m'a dit pour être discipliné, pour innover, pour être consistant et puis pour continuer à créer. Qui ça qui requiert mettre pour vous entrer dans la chambre de commerce? Ah, bon, je t'ai dit d'habitude que Samson dit là, toute qualité ça, ça t'a des prérequis. Même pas pour moi faire un test pour connaître si entrer dans la chambre de commerce. Il y en a bagarre que moi capable demander si un monde veut entrer dans la chambre de commerce, c'est pour connaître que faut capable participer. Participer veut dire que le monde vient de côté même là me dire faire website, mon dit que moi dans mon website moi dit tu as besoin d'un plan d'affaires. Un plan d'affaires là, est-ce que vous voulez que moi même avoir un travail sur lui ou bien est-ce que vous voulez payer un monde pour faire lui ou bien est-ce que vous voulez apprendre faire pour compte? Parce que c'est trois cas, ou bien on ne va pas faire rien du tout, je vais faire l'envers, ou bien on paye au monde pour faire l'île, ou bien on travaille ensemble avec nous pour faire l'île. Donc, les gens ont une idée de collaboration, de coopération, le plus facile pour nous, pour venir nous dire que nous avons besoin d'entrer dans la chambre de commerce. Il y a des frais d'adhésion, et dépendamment de frais, et ça commence depuis 350$ jusqu'à 5000$. Pour qui ça? Parce que dépendamment de sauve les de ça quoi pas tant de chambre de commerce, dépendamment de ça que ou même ou déjà gagné dans le monde, ou capable choisir plan qu'on veut. Il y a des gens qui commencent à petit, qui viennent plus gros. Entouré pour tout, je suis capable de dire qu'il y a des organisations qui ne sont pas des organisations haïtiennes, mais qui t'a aimé faire business avec haïtiens. On dit que un gros supermarket là qui t'a aimé que c'est haïtien seulement que l'employé. Parfois, les gens m'appellent et ils disent que ah, j'ai besoin de 10 haïtiens pour travailler dans tel domaine. Pour les gens qui ont laissé la chambre de commerce. Et qu'on a besoin de monde ça. Donc, monde ça est obligé d'adhérer avec la chambre de commerce pour qu'il y ait une plateforme. Que son pasteur, que son politicien, sous besoin, ça aurait les branding, sous besoin visibilité, sous besoin augmenter revenu, c'est toujours bon pour entrer dans la chambre de commerce. Toutefois, nous avons des gens que nous prenons tout, qui juste viennent faire volontariat. Ou tu as ouvert un restaurant, ou par contre, si vous montez, si vous descendez. Et Jean-Président, Jean-Pierre Tugo, toujours dit, c'est parce qu'on a l'argent qu'on a fait restaurant. Nous avons des gens qui ne sont pas médecins, qui ouvrent des cliniques. Ils ouvrent des cliniques médicales et puis ils emploient des gens. Alors, si vous avez l'argent, il n'y a pas assez. Ou besoin, ça veut dire que vous avez besoin de connaissances. Et si vous avez connaissances, vous avez besoin de monde qui a connaissances pour mettre ensemble, pour faire un bel restaurant. Et malheureusement, moi, avec M. Turgot, c'est une tristesse nous, que nous voyons qu'après tant d'années, avec un grand nombre d'Haïtiens dans le sud de Floride, là, en pile élu, en pile millionnaire, en pile millionnaire après VPN, mais pas jamais bon monde ni une vision ni discipline pour dire que m'a travaille avec une chambre de commerce pour nous capables font restaurant et m'a pas dire bonne et du forme un restaurant qui vaut la peine pour yo parler de lui tout le temps. Nous rien des restaurants, mais est-ce que restaurant ça a une capacité que ce soit financière, que ce soit en termes d'espace pour yo prendre monde pour yo capable faire ce type de bagage ça. Nous voyons un appel à toutes chambres de commerce, parce qu'il y en a plusieurs. Nous avons dit que nous avons presque 8 chambres de commerce dans le sud de Floride, là, qui me trouvent que ce sont mon bagage. Moi, je vais regarder mon côté me poser une question, est-ce que ce sont mon bagage pour qu'il y ait une chambre de commerce? Alors oui, il dit mon bagage qu'il y a plusieurs chambres de commerce. Pour qui ça? Parce qu'on a une chambre de commerce qui n'a pas fait couverture sur toute ville, sur tout comté. Dépendamment de chambres de commerce, chaque chambre de commerce a une propre vision, une propre mission, une propre façon pour faire des choses. Moi-même, j'ai établi ce que la chambre de commerce voulait faire. Moi, la chambre de commerce nous en voulait faire. Je suppose dire ça comme ça. Il y a une chambre de commerce qui nous a planifié pour former des gens pour voyager en Haïti, pour changer le pays. Bon, moi-même, je dis que on pas capable de changer le pays, c'est là qu'on a une construction, on pas capable de créer. Il y a une autre chambre de commerce qui nous a besoin des affiliations politiques. Il y a une chambre de commerce, il y a juste besoin de faire un groupe d'amis pour partager des idées, partager des projets ou des programmes ensemble. Ça dépend de la chambre de commerce, et on fait partie de plusieurs chambres de commerce. Parfois, moi, on dit que il y a un peu de monde qui rejoignent différentes chambres de commerce, parce que tu sais qu'il y a la différence entre chambre de commerce qui fait partie de comté, de ville, et puis une chambre de commerce qui n'est pas noir, qui est libre, qui a un libre champ pour faire des affaires. Ou bien des associations avec Haïti, avec la France et d'autres
États. Donc, mon négro a dit que je rentre dans la chambre de commerce pour travailler là, oui. Et puis, il paye 2000 dollars pour entrer dans la chambre de commerce pour travailler là. Et puis, il dit, moi, je vais me aider. Qui est-ce qu'il fait pour moi? Si vous voulez avancer, il faut qu'on mette pour en dedans. Les blancs disent, you have to put your skin in the game. Ça veut dire que je ne pas voulez au monde entrer dans la chambre de commerce pour le venir, pour le chita, pour regarder, pour voir sa chambre de commerce, ce fait pour lui. Qui est toujours une mauvaise question. Qui ça nous a fait ensemble? Qui ça nous a fait ensemble pour nous avancer? À un certain niveau, je pense que nous tous travaillons ensemble. À un autre niveau, je pense que nous tous doués travaillons ensemble. Pour qui ça? Parce que nous supposons qu'on cause commune. Et l'autre jour, je fais une interview au niveau de la radio. Et c'est sûrement l'une des choses que j'ai oublié de dire. Dylan Seffler, radio and TV host. Et radio and TV personnalité. Nous avons dit que l'homme, c'est le seul animal qui va jamais chercher une cause commune. Que travail sur lui. Nous toujours non polémique, nous toujours non gourmet et qu'on est encore boire. C'est peut-être ça que nous gagnons autant de guerres, c'est peut-être ça que nous gagnons autant de divisions et c'est peut-être ça que nous gagnons autant de problèmes à tel point que dans mon Dieu commence à dire que ce sera la fin du monde. Mais pourquoi la fin du monde? Mais c'est nous-mêmes qui pouvons réviser car nous pour nous connaître qui gens que nous voulons travailler ensemble et travailler ensemble nous demander d'autres qualités. D'autres qualités ça veut dire que si vous voulez travailler ensemble avec moi, il faut me connaître qui soit porté sous table. Si vous ne gagnez pas travailler ensemble avec moi. Je travaille pour vous, je travaille en association avec vous, mais si vous n'avez pas gagné ou pas gagné le leverage, j'aime bien dire, pour venir faire un partenariat. Ce partenariat, il faut gagner deux personnes qui gagnent. Les Haïtiens disent deux mecs, bye bye.